Et eh bien, salut vous les amis cimetières, bienvenue pour un tout nouvel épisode de Subnautica, je crois que c'est l'épisode 6. Alors, on se retrouve dans notre petite base. Alors, je vais vous montrer. J'ai mis des vitres, ça y est, enfin, au bureau là. Donc, en vrai, il est plutôt cool cette petite chambre de bureau. Il y a mon appartement qui est là parce que j'ai été fermé des ressources. Attendez, je vais essayer de pas vous spoiler, j'ai rajouté je vais un petit peu spoiler, mais c'est pas grave. J'ai rajouté deux panneaux solaires, vous voyez que l'énergie est pas très stable, on va voir pourquoi. J'ai rajouté la salle de contrôle aussi, donc ceci, qui permet d'avoir une petite carte de la base, on peut décider ce qu'on veut ou pas. Genre là-bas ils ont pas d'énergie, sauf que c'est là-bas que toute l'énergie est produite, donc voilà. Là on peut couper là par exemple, on peut dire hop là on coupe ici, on coupe là, on coupe là. Normalement ça devrait couper les lumières en théorie. Voilà, ça peut, donc on peut couper les lumières si on veut. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, on va tout rebrancher. Voilà. On voit que c'est pas méga stable. Ça va remonter, mais ouais, j'ai l'impression que ça devrait produire plus avec, avec 5 panneaux, mais parce que ouais, il y en a 5 maintenant, mais ouais. On a l'heure, donc là on voit qu'il est 15h. L'intégrité de la coque, donc combien de pièges je peux mettre, combien je vais renforcer. On peut colorer la base, on va le faire juste après. Puis vous voyez, comme vous l'avez vu, j'ai remis une coutille ici. Puis nous allons monter. Donc j'ai remis les casiers là, avec l'eau et tout ça, parce que... Ouais, j'ai beaucoup de choses, hein. Vous voyez, j'ai beaucoup de plomb, beaucoup de lithium, beaucoup d'argent, beaucoup de quartz, beaucoup de soufre. J'ai trouvé comment colorer ça aussi. Vous voyez que le lithium, j'en ai pour un moment. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Pas beaucoup d'or, mais j'ai beaucoup d'argent aussi. J'ai trouvé les débris métalliques parce que j'ai trouvé le vaisseau dont elle nous parlait, donc la madame là-bas. Je vous expliquerai les couleurs après. Puis il y a ça et ça qui ont popé. J'en ai trouvé un tout seul en minant. Donc je vais aller le chercher aujourd'hui pour commencer l'épisode. Puis il y aurait donc le titane. Bon, le titane, ça va très vite. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bah ça évidemment. Les trucs à eau, c'est pour ça que ça tire pas mal. Clairement, donc les trucs à eau. Ça m'a déjà fait pas mal de bouteilles au niveau de l'eau d'ailleurs. Vous voyez, j'en ai fait 8 grandes eaux filtrées, donc c'est les meilleures eaux qu'on puisse avoir. Donc c'est très très bien. Et là, bah, j'ai fait une petite serre. Donc on voit les vagues, c'est trop joli. Puis ouais, les plantes qui poussent. Vous voyez que ça fait pas mal de noix. Comme ça, quand on est à la base, on peut remettre un peu notre eau, notre bouffe, donc ça c'est parfait. Puis ça, le temps que je parte, ça repousse très vite. Puis là, pour la chaleur corporelle, tout ça, puis il y a beaucoup de bouffe, ça. Donc à la base, je suis pas embêté pour le coup. Avec une jolie vue, des fenêtres partout. Donc plutôt cool. Il va faire nuit d'ailleurs, donc on va voir que l'énergie va se casser la gueule, mais au zénith, ça produit pas mal. Après ça devrait selon moi produire plus, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Hop, attendez. J'essaie de rien oublier parce que il y a quand même beaucoup de d'informations. Donc on pouvait donc colorer la base. Je vais vous expliquer aussi donc les deux trucs là. Je vais vous expliquer mon code couleur, donc en rouge. C'est des trucs que j'ai fait, donc de toute façon je suis caché, sauf le guide de base delta pour me repérer. En vert c'est tout ce qui est en rapport avec la base. Donc celui-là je l'ai coupé parce que j'ai la balise de la base, mais on peut voir la salle de contrôle à ma droite. En bleu c'est les trucs que j'ai à faire en objectif. Donc il y a ces deux trucs là. Celui-là je l'ai fait, donc je l'ai mis en rouge. Et en orange ça sera mes véhicules. Puis on va pouvoir colorer la base. Alors en bleu c'est tout ce qui est pied et tout ça, j'aimerais bien le mettre, ça veut bien que j'aime bien le rouge, donc je vais mettre du rouge je pense. Vous le savez, on peut faire plus ou moins pétant. Ça c'est les bandes. On peut mettre un peu plus doré, on peut mettre le nom en doré aussi je pense. Je sais pas comment on va l'appeler la base, c'est pour l'avoir derrière, mais euh...
Pêche frites au fromage, allez, j'ai pas l'idée, je sais pas, je mettrais un truc sympa. On va l'appeler friteuse. Voilà. On va y en voir un peu. Alors, pas trop que c'est rouge, hein. Un petit peu quand même. Faudrait un rouge en fait un peu plus pétant, mais on a l'impression qu'on puisse avoir beaucoup mieux. Ou un petit peu l'éclaircir de cette façon. Après, ça se voit que c'est rouge, mais c'est pas incroyable quoi. Après, il fait pas très très beau. Donc, on va peut-être passer la nuit, puis on va aller sans doute chercher l'artefact que j'ai vu, les autres, je sais pas si j'ai envie de les chercher tout de suite ou pas. Mais je vais essayer de retrouver celui que j'ai vu. Après ça fait un rouge assez discret, c'est plutôt joli quand même. Ah non non, c'est joli en vrai. Le soleil c'est beau. J'aime bien. Ça fait plus un espèce de bordeaux que de rouge, mais ouais, je devrais peut-être inverser les couleurs. Peut-être mettre la bande en rouge. La bande se voit bien par contre, mais c'est vrai que ça fait plus bordeaux qu'autre chose. Et là, deux jours, ça donne quoi avec un beau rouge? Sinon, on met la base en rouge, hein, puis fuck. Là, faut aller voir dehors. Hein. C'est vrai qu'il y a une petite ici, ça rame, faire le tour. Après, ouais, ça fait plus un bordeaux. Après, la base en rouge, je pense que c'est un peu trop, mais bon, on voit que c'est un peu rouge. Ouais, on va garder comme ça. C'est joli, je verrai si je change quelque chose ou pas. Les bandes jaunes sont jolies. La base en blanc me paraît bien. Donc j'ai planté les sacs gélatineux aussi, ça on peut le planter puis ça sert pour faire l'aérogel. Du coup j'ai utilisé deux rubis hein, pour le bordel, donc il m'en manquera un. Ça se trouve, mais je voulais en faire deux, comme ça je me fais un bon stock de bouteilles. D'ailleurs on va prendre des bouteilles de la bouffe puis on va partir. Bien rouge, ouais. Bien rouge jaune. Puis donc pour recolorer ça, on va là. Attendez, on va changer le nom, et en fait ce petit truc en bas à droite là, on peut changer. On peut le mettre en rouge comme les autres. Hop, ça fait un petit détail, on aime bien. Voilà, ça juste avant de partir. On va se prendre deux bouteilles, ça devrait suffire. Troisième, allez, puis un peu de bouffe. Un peu de bouffe pareil, j'ai fait d'autres trucs séchés. Ça va. Du coup on est bon. On va aller à l'artefact et puis selon le temps qui nous reste, c'est-à-dire on a déjà fait 8 minutes, on n'a absolument rien fait à part discuter. Selon le temps qui nous reste, je retrouve la carte par contre. Carte. Hop. Selon le temps qu'il nous reste, on essaiera peut-être d'aller au vert là-bas. Je pense que ce serait pas mal. Donc full à l'ouest. Ouais, c'est l'ouest. Puis donc on va essayer. J'ai trouvé le vaisseau hein, du coup. Comme nous avait parlé la dernière fois, c'est pour ça que j'ai trouvé des débris métalliques. Et du coup, bah, on va se rendre par là pour essayer d'aller trouver celui que j'ai vu. Puis on va voir, non c'est pas par là, on va reprendre notre aquatracteur, très pratique hein, pour les miner, clairement j'ai fait un bon stop, j'ai fait 30 minutes de minage, je suis revenu plein. D'ailleurs j'ai effacé hein, les noms là, parce que ça n'a aucun sens d'avoir les noms du coup. Et on peut changer la couleur ici aussi, j'ai effacé les noms parce que honnêtement on s'en fout un peu de ce que c'est écrit là, donc voilà. Du coup on va retourner vers la station là-bas. C'est plutôt joli. Le seul petit défaut c'est que bon elle tient un peu dans le vide par endroit quoi, parce que c'est très profond là. Et puis ça sera peut-être remplacé par une grande salle pour mettre un bioreacteur si j'ai besoin de plus d'énergie, je mettrai pas de nucléaire, ça coûte trop cher je trouve. Et puis voilà.
On va donc aller chercher eh bien l'artefact. Tu vois, il y en a un qui est là-bas. Je pense pas que ça soit celui-là, hein, honnêtement. Il est dans une faille en minant. Je suis descendu, puis j'ai vu le machin. J'ai encore vu un gros truc, donc on va faire gaffe. Celui-là n'est pas très loin, mais c'est pareil, c'est pas celui-là. Quoi que celui-là, on pourra peut-être aller le chercher. Il est peut-être pas si profond que ça. Je pense qu'il est genre à 300 mètres, quelque chose comme ça. Juste que je retrouve la faille. Non, vu qu'il y a des ressources, je pense pas que je sois passé par là, donc ça va pas être là. C'est un peu plus loin. Je devrais être capable de la retrouver normalement. Je pense que c'est simple, c'est là où j'ai mis. Il doit être là. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Je pense que c'est là. On va éteindre les phares, on va aller voir. Il doit être là. Ouais, c'est là. Puis ce truc là qui n'est pas affiché, donc celui-là je l'ai vraiment trouvé tout seul. Ça, ça a l'air assez stylé. Distillerie de matière de minéraux. On va aller voir dans le vaisseau. Ok, ça a l'air stylé en effet. On a déjà chopé ce truc là. Ouais, je vais scanner. C'est qu'on va essayer de faire celui à côté, hein, minéraux de machin là. Je prends un petit oubli au passage. Allez hop. Alors, voyons voir ce qu'on a eu. Parce qu'on a eu un schéma du coup, je crois. Peut-être. Je sais pas exactement ce qu'on a eu. Pour l'utilisation dans le traitement et l'extraction de minéraux contenus dans l'eau. Surchauffer quand l'eau, la vapeur boue puissante commencer dans une cavité, c'est pareil. Ok. Non, c'est peut-être pas un schéma, c'était juste un truc comme ça. Ok, bon. Couilou le deuxième, il est par là-bas. 404 mètres, il est peut-être un peu profond, mais on devrait pouvoir y aller. Alors par là peut-être. Alors c'est la même grotte. C'est la même grotte, hein, je crois. Ouais. Bon, c'est beaucoup plus loin du coup. Donc oui, j'ai toujours. Je l'ai pas dans mon inventaire, mais j'ai la batterie de secours qui est dans un des modules derrière. J'espère que je l'ai pas enlevé d'ailleurs en. Non, elle est là, la batterie. Parce qu'on est dans tout là, je serais bien capable de l'enlever. Ouais, je suis en train de connaître le truc, c'est pas grave. Il est un peu plus loin. C'est peut-être même au machin Omega là. Hein. Enfin, pas Omega, mais le truc là, le truc rouge. Alors, quoi que non, on est bien avant la station Delta, on doit être là, donc il est bien plus loin le machin. Il est peut-être même par là en fait. Après, pour avoir, on peut descendre de toute façon. Ah, il y a un volcan sous-marin là. Pas sûr que ça soit vraiment fait pour descendre avec ce truc pour le coup. On va le laisser là. On va aller voir nous-mêmes. Je devrais être capable de reculer normalement si je suis pas trop con. Il y a du minerai aussi là. De l'uranium d'ailleurs. Non, c'est pas de l'uranium. Il y a 5 lumières bleues là, dis donc.
peut-être pas en cible de ratin, peut-être beaucoup plus loin en vrai. Il est où le bordel? Là-bas. 200 mètres, ouais. Peut-être plus loin. Hein. Ça se peut bien que je sois plus loin. Il est moins intéressant. Ah, il doit être par là. Hein. Je vais essayer de descendre avec le bordel. J'ai un peu peur de me perdre en fait. Ah, il y a peut-être moyen que je passe. Peut-être. Au pire, on peut. On peut les atteler, on peut essayer de passer avec le machin par là de l'air. Des dégâts aussi, c'est pas trop intelligent. Là, c'est bien avec la protracteur, je pense que ça passe. Je veux juste être un peu intelligent. Déjà réussi à remonter. Je pense que c'est clairement par là, mais il faut juste continuer à faire attention. Pour ce faire, on va désatteler tout ça. Ils ne désattellent pas entre eux. Donc on peut le laisser là, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, on va essayer d'aller d'aller trouver ça. Je fasse très attention à ma vie par contre. Sur malentendu, en vrai j'arrive à y passer. Hein. Je passe par là. C'est là. Je pète les yeux bien évidemment, mais. Pas sûr qu'on puisse y accéder en vrai. Ah. Ça par contre c'est pas inintéressant. Ah ouais, on va sûrement pouvoir y accéder du coup. J'ai bien fait de descendre avec ce machin quand même. Ouais, bon, par contre, on peut aller très haut, mais pas aller beaucoup plus bas, mais ouais. Mais yes, c'est bien fait. Et des rubis d'ailleurs. Donc voilà, peut-être comment on les obtenait. Ça a pas l'air giga dangereux, il y a des trucs, mais il faut faire attention, on n'est pas con. C'est d'ailleurs. C'est un gros truc de rubis qu'on peut faire avec le prône. Il semblait que c'était un ascenseur. Bien bien fait de descendre avec ce truc, hein, clairement. C'est pas un bras, du prône. Oh, si, si, c'est en même temps. On est bien d'accord. Bras de forage.
Sauf qu'on n'a pas encore le prône, mais le bras de forage c'est un des plus importants, donc c'est très bien. Permet de faire des dégâts aux gros monstres aussi, hein. Donc très très important. Là il y a du titane. Il y a beaucoup de titane même. Ça va revenir ce truc là. Ah bah tiens. Combinaison prône. Ton lane, il va nous manquer plus qu'un bout du coup. Donc peut-être qu'on va en trouver une. Alors, et déjà il y a le bras de forage là. Ça c'est très très cool. On pourra faire le bras de forage au moins. Donc on pourra se défendre. Reste tranquille toi. C'est de l'or ça. Pourquoi pas son plume là. Peut-être une autre combinaison de prune qu'on pourra retrouver. Ok, c'est très intéressant. Encore un rubis là, on va le prendre. On va aller reprendre de l'air puis on va suivre le chemin. Du coup. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. T'inquiète. On va suivre bien ça. Du coup, on a le bras de forage. Hein. Un petit peu dessus. Petit bras de forage. Là. Nice. Ça, c'est nice hein, pour le coup. Il y a combien de temps? 20 minutes, ça va. On va suivre cette piste hein, de toute façon. J'ai tellement bien fait de descendre avec ce machin. Par contre, il fallait clairement des athlètes et tout, mais j'ai vraiment bien fait. Ah, oh, il y a le prône. Bon, on va chercher le prône déjà. Oui, il y a le prône. On va pouvoir faire le prône. Nice. Putain, trop bien. Ouais, bon, ça en a déjà, mais bon. Du fil de cuivre. C'est encore le bras de forage, ouais, on va quand même le prendre. Attention, parce qu'il y a lui qui me regarde. Ils ont prône qui est cassé. Ça continue. Alors attendez, on va juste aller charger le truc parce que c'est vraiment à côté. D'ailleurs, j'ai raté deux rubis là. On écrase les poissons, ça c'est toujours bien. On peut pas régénérer un petit peu en bouffant. Très bien. J'ai quand même pris cher. A priori, il est juste là. Hein. Je suis pas sûr que ça passe. C'est ça? Perhaps its data will tell me something useful. I have collected enough data to extrapolate the location of a component necessary to assemble my body. I will provide cyclotron. Signal location uploaded to PDA. Attendez, regardez, on va faire le tour de la grotte, mais. Je veux juste regarder déjà bon, ce qu'il m'a donné. C'est ça, un conteneur de corps. Ok, 954 mètres. Donc il est vraiment loin, il est peut-être profond aussi. Excuse you, my body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Ouais, ça, yes, but its overall form is not ideal. For example,
consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. But all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. We plant trees we can never experience the shade of. We build for the next generation. Noble, but again, truly inefficient. You are incredibly frustrating, you know that? I hope to see the forms of my people again. On a eu un truc d'en bas ou pas? Voici Clotron. Ah, ça permet de décrafter les trucs peut-être. Ok, c'est pas mal. C'est quoi d'autre qu'on a eu du coup? C'est ça qu'on a eu? Ah oui, bah pour le prône forcément. Forcément pour le prône. Ah ouais, le garamaillé, oui ça se fait. Ça va. Bah non, il se fait le prône. Du verre émaillé, une batterie, du pastacier, du serpent intégral. Ah oui, il est très très simple à faire. Donc la prochaine fois, on va le faire. On va sûrement le faire la prochaine fois, hein, du coup. Diamant, là. Ok, bah on va explorer l'autre grotte, du coup. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, hein, vraiment. Je m'attendais pas forcément à tomber sur le prône. Bah écoutez, vraiment, c'est ça que j'adore aussi dans Subnautica, explorer, puis bah, t'as pas prévu de faire un truc et tu te laisses happer par, par l'exploration. Puis on a bien fait de désatteler pour revenir avec le truc, hein. Sinon ça aurait été relativement très très chiant. Je me cognais tout, mais bon, c'est pas grave. Ah, il faut le découpeur laser. Que je n'ai pas, mais que j'ai trouvé un morceau. Oui, d'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire, mais des bras, ça. Non, on dirait que c'est pas des bras promis. J'ai oublié de vous le dire, mais laisse-moi tranquille, toi. J'ai trouvé, en fait, bah, sous la base, en fait, dans les nids des singes, là, bah, il y avait des trucs de type des schémas, quoi. Et c'est là que j'ai trouvé un morceau de découpeur laser, justement. Bon, la centrale thermique c'est bien, mais on n'a pas de volcan près de la base. Mais on l'a, quoi, le schéma, si on veut, c'est bien. C'est gigantesque. Ouais, le rubis clairement simple à avoir. Pour la spiralière d'ailleurs, j'avais regardé, en fait c'est une toute petite plante, donc faut qu'on regarde. Il y en a peut-être ici, en vrai, ça se pourrait bien. S'il y a un endroit en vrai où le jeu devrait peut-être nous en donner, c'est dans une grotte comme ça, vu qu'on tombe sur des rubis. Donc, faut qu'on check à ça. Ah ça par contre. Et ben, on l'a déjà, yes. Vous pouvez pas nous donner un truc que je n'ai pas? Ce serait bien. Clairement, ce serait bien. Ça va, on peut survivre, on a de l'eau de toute façon. Il y a des poissons un peu bizarres là. Ok, on va continuer, je vois rien de plus, il y a pas mal de rubis, titane, de l'or, le coffre on peut pas le prendre, il y a encore ça, c'est peut-être encore la centrale thermique, là aussi un morceau de centrale thermique,
peut-être pas tous les prendre, hein, c'est pas grave. Voilà, il y a un truc qui est intéressant là. On va aller où comme ça là? Bien ça va. Faut quand même prendre le passage, hein, de toute façon. Les trucs un peu précieux, autant les prendre. Je vois rien de plus. On va aller où là, comme ça? Il est tellement bien fait de faire le truc. On va y aller, hein, du coup. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais, hein. Ah, là-bas c'est vers Omega apparemment. Là-bas. Et là-bas c'est Black Loot. Ah non, c'est pas Omega ça. Rien à voir. C'est le bah, celui où on devait qui était près de la base. Ça c'est encore un blueprint. Oh, la chambre d'immersion, nice. Oh, c'est trop bien. On va pouvoir ranger le prone du coup. Oui, puis il y a la console d'amélioration de véhicule, mais oui, mais on va tellement faire le prone la prochaine fois en fait. Prochain épisode, les potes, on fait le prone en fait. Totalement. Ah non, c'est trop trop bien. Très content de ce qu'on trouve là dans cet épisode. Allez où la chambre d'immersion, juste là. Lubrifiant de plomb et du titane. Ça coûte rien du tout, hein, honnêtement. Ça coûte rien du tout. Je sais pas si je peux vraiment y passer dans les dégrés. Hein. Là-bas, par contre, on peut entrer, mais en nageant. Je sais pas si je peux vraiment passer. Hein. Pas sûr que j'ai envie de forcer, hein. Il y a des trucs, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment des éléments de gameplay Je sais pas, je pense que c'est juste du décor, hein, beaucoup. Ça sert à rien de forcer, je pense. Ça sert à rien de se retrouver bloqué de l'autre côté. Faut pas d'éléments de gameplay de type des ressources ou quoi. Ah, y'a un, on pourra peut-être monter par là. Je sais pas où on est par contre. Hein. Attends, je retrouve mes modules aussi, c'est quand même. Ce serait quand même intéressant. Donc, ouais, je sais pas. Je pense pas que ça soit fait pour, honnêtement. On va essayer d'entrer dedans, clairement. Quand le jeu ne veut pas, vaut mieux pas forcer, hein. Franchement, vaut mieux pas se retrouver bloqué. Bah, clairement, ça passera pas avec le bordel, donc il faut y aller en nageant, hein, clairement. Tout en coupant les lumières aussi. Parce que ça bouge la batterie quand même, même si, bon, elle est plutôt solide la batterie, et puis on a pire un nombre de secours, mais. Il est où là? Mais en fait, c'est la base en fait. Ok, c'est le site minier, mais en fait, on est. Ok. Attendez, je vais vous montrer. La carte. On est là, nous, du coup. On a traversé tout ça en fait. Parce que nous on a été chercher le premier artefact qui était par là, et puis l'autre était à côté, donc on a dû traverser tout ça en fait, on a dû traverser toute l'île par en dessous. Parce que clairement je peux pas. Ah si, ah non. Ah peut-être, attendez. De travers, je peux pas y passer. Non. Je vais pas forcer, ça sert à rien. J'ai envie de bloquer mon truc, mais ça ne peut pas rentrer dedans.
Est-ce que c'est... Moi, je suis entré par l'autre côté. Est-ce que c'était vraiment pensé pour passer avec ce truc? Je pense que ouais, hein. Parce qu'au final, je suis passé par l'autre côté avec le truc, mais en fait, si on rentre par là, on pourrait... On pouvait pas passer... On pouvait clairement pas rentrer avec le machin, en fait. Ouais. Du coup, c'est terminé, en fait. Parce que après, ça va être... C'est le ciel, en fait, là-bas. Faut juste qu'on retourne à la base maintenant, je pense. J'ai l'inventaire plein. Ouais, je suis plein de chez plein. Il y a quelques minerais, mais ça se trouve, hein. Ça se retrouve, hein, je pense, comme zone au pire. Après, là-bas, c'est des volcans. On est juste de l'autre côté de l'île, on a fait, nous on est passé de l'autre côté en fait. Ok, bah nice. Bah nice en vrai. Comme ça, ça fait un truc d'explorer en plus, je m'attendais pas forcément à tomber là. Ok, bah écoutez, du coup. Du coup, c'est lequel qu'on a fait de... Il s'est noté ou pas? C'est Q59, je pense qu'on a fait. Ouais, c'est Q59. Hein. Bon, on va redescendre du coup. On va essayer de retrouver notre chemin. On a eu tout ce qu'il faut pour le prône, enfin, pour bien commencer à utiliser le prône, donc ça c'est cool. Là, ça serait plus intéressant de descendre dans le, bah, littéralement dans le méga trou, hein. Alors, je pense qu'on pourra peut-être l'accrocher au à ce petit véhicule là. Ce serait bien. Bon, en fait, c'est pas juste. Bah non, c'est beaucoup plus haut. J'allais dire, c'est pas ça qu'on voit de l'autre côté, mais non, c'est un petit peu plus haut. Donc non. Je pense pas qu'on puisse aller de l'autre côté, ça doit pas être fait court. Il y a ça, mais on peut pas l'ouvrir de toute façon. Je reviendrai peut-être un jour le chercher, mais ça m'étonnera beaucoup. On va essayer de remonter tranquille. Ah, pas déçu d'être descendu avec ce machin, clairement. Alors là, c'était 1000 IQ de décrocher tout, hein. Encore faut-il remonter maintenant. Aïe aïe aïe. Par contre, mon niveau, hein, de pilotage, évidemment, incroyable. J'ai pas vu cette fleur, hein, par contre, j'ai pas forcément fait attention si c'était une fleur ou pas, évidemment. Par contre, j'ai pas vu la fameuse fleur. Ah, mais j'ai l'inventaire plein, what the fuck. Ah, il y a un petit genre aussi là-bas. M2, on va virer ça, c'est pas grave. On va remonter. Faut que je retrouve mon module. C'était faisable en nageant, mais clairement, on est tellement mieux avec ce truc. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est par là ou pas? Pas par là déjà. Vous voyez quand même qu'il faut forcer un petit peu, donc je sais pas si c'était franchement pensé pour qu'on vienne ici avec ce truc.
Ah non, c'est là que tu tues normalement mes trucs. Quelque part. Là-bas. Ok, donc on est même pas ressorti par la même entrée. Marrant, marrant. Parce que ouais, là, c'est juste là. Hein. Juste à côté de la station Delta, quoi. Ok, bah nice. Ah, on peut revenir à la base, du coup. On va juste virer ça. Et du coup, le plus 59, on le met en rouge parce que c'est fait, il restera l'autre. Et puis le corps, là. On va retourner à la maison. Je crois qu'il m'a tapé, attendez, on va juste me tourner. 40 minutes, ouais, donc c'est bien. On va pouvoir faire le point la prochaine fois, je pense. Sûrement ce qu'on va faire. J'ai trouvé pas mal de trucs, encore pas mal de rubis. Toujours pas cette plante par contre. Hein. C'est une toute petite fleur en fait, donc ouais, je pense qu'on peut clairement la rater. Puis il me faudrait que ouais, le prune ça te consomme un peu plus, donc bon. Pas plus que je la trouve en off. J'essaie de chercher un peu. On va bien descendre avec ce truc là quand même. On pourra faire le prune déjà, donc c'est pas mal. On pourra miner. La base est toujours allumée, donc ça c'est pas évident l'énergie déjà. Ça va, on va peut-être passer la nuit. Voilà, je crois que j'ai rien stocké, hein, j'avais tout sur moi. Il me semble. Un très content d'exploration de canard. On va pouvoir faire le premier bras de forage, donc ça c'est cool, on pourra se défendre. Puis ouais, bon, on va sûrement faire un épisode prune la prochaine fois du coup. C'est bien possible qu'on fasse un épisode autour du prune. Puis du coup, peut-être qu'on retournera là-bas pour aller voir la connasse. Ça risque d'être un petit peu long d'y aller avec le prune, mais mais bon, c'est pas si loin, c'est un kilomètre, ça va. Non, on fera plutôt ouais, un petit épisode du jour du prune. De toute façon, je vais le tourner juste après, donc en fait, c'est sûr. On a clairement trouvé notre sujet d'épisode. Ça a l'air pas si cher à faire, donc c'est bien. Très très bien, même. On va ranger tout ça, puis écoutez, on va s'arrêter là. Ça va, j'ai assez de trucs, j'ai pas mal de minerais, je suis bien. Je suis très très bien, en vrai. Très très content. On s'arrange un peu en mode YOLO hein, parce que je commence à plus avoir de place. Il va peut-être falloir que j'en refasse des trucs à minerai parce que bah, ça se remplit vite en fait. Hein. Clairement, ça se remplit très très vite. Ça, je sais pas trop ce que ça, à quoi ça sert. On va aller voir si on a de l'eau aussi. Ouais, ça va la gratter devant nous, donc vous voyez que ça produit bien quand même. C'est pour ça que l'énergie est revenue d'ailleurs, c'est quand ça revient pas. Quand ça produit pas, ben ça produit pas quoi, donc c'est juste pas d'énergie. Je vais les mettre là, les petits verres, je sais pas à quoi ça sert, peut-être que ça servira, peut-être que ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas. On va mettre l'autre pile, on va la remettre à recharger l'autre pendant que je coupe l'épisode. Voilà, comme ça on sera pas mal. Puis écoutez, merci de vous l'avoir regardé en tout cas cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu avec cette petite exploration, pas forcément prévue. Mais écoutez, bah écoutez, on va trouver le sujet du prochain épisode, la combinaison prône. Merci à vous et à la prochaine.